Ah, Mizrachi, merci beaucoup de venir avec moi pour s'occuper des enfants de monsieur et madame. Et madame. Torche qui feu. Ah, bah c'est normal, écoute, t'es ma meilleure amie, sexy. Ah là là, parce que c'est hyper chiant quand même de s'occuper des petits-enfants comme ça. Hein. C'est. Oh là là! On va les transformer en petites princesses. Regarde, je vais leur prêter ma brosse, ma couronne, mes lunettes. Elles seront de jolies meufs. Ah, comme ça. Ah, bah tiens, tu vas pouvoir leur brosser les cheveux. Au moins, t'arrêteras de te brosser les cheveux à toi un petit peu. Hein. Mais écoute, une fille doit avant tout protéger ses cheveux. Là, t'es un petit peu en train de les maltraiter quand même. Ben non, je les démêle. Bon, allez, viens, parce qu'en fait, je pense que madame et monsieur Torche qui feu, ils sont peut-être déjà partis là, ils ont laissé leurs enfants, donc on aille s'en Par occuper. contre, Ils m'ont du laissé coup, les clés. madame et monsieur Torche qui feu, c'est des torches? Bah, je sais pas. On va voir si leurs enfants, c'est des torches. Ah, bah, elles sont là. Salut les filles! Bonjour! Ouais, Bonjour! bonjour! Alors ça va? Ça fait quoi les filles? Vous faites quoi là sur vos écrans? Moi, je joue à Game of Thrones. Moi, je joue à Call of... Mais non, mais il faut jouer au Barbie, c'est mieux! Bah attends, c'est pas des jeux qui sont déconseillés aux moins de 18 ans ça? Ouais, mais c'est pas grave, on Si, a hein. l'âge nous. Mais les filles, il faut jouer à Barbie, c'est meilleur! Jouer à Non, mais Movistar Barbie, c'est Planet! nul! Quoi? Vous jouez pas Mais à Barbie, Movistar c'est pour Planet à les votre âge? enfants. Non, mais c'est claqué. Au sol Ok. même. Mais Claqué au ouais. sous-sol. Et vos parents, on est d'accord, ils sont au courant que vous jouez à des jeux comme ça? Bah oui, Bien bien sûr. sûr. Oh, bah Et du c'est coup, bon, si les parents ils sont d'accord, y a pas de souci. les filles. Oui. Je me demandais, mais est-ce que vos parents, ils ressemblent à des torches? Bah non, c'est des humains. Moi, je Ah trouve un bon? peu. Non, parce que torche qui feu, quoi. Ça fait un petit jeu de mots quand même, hein. C'est pas drôle. Bah, j'ai une petite proposition, les filles. Allez-y. Du coup, ça vous dirait, on fait un petit tour au parc, là, tranquille, comme ça vous vous amusez, au balançoire, tout ça, il y a un toboggan. Trop bien, quoi. Oignon. Non, c'est mieux les écrans quand même. Ah non, mais les écrans, en fait, faut les lâcher un petit peu, les meufs, hein. Faut devenir une princesse comme moi. Princesse Pauline. Et moi, je suis une princesse, je suis connue, en fait. Miss Rachi. Ah. Mais vous préférez rester sur vos écrans que de découvrir un peu le parc ou faire de nouvelles amies, Bah etc. oui, hein, etc. c'est vachement mieux quand même, il y a plus de trucs à faire. Moi, j'ai déjà des amis virtuels. Bah oui, hein. Ah ouais? Oh, ok. Oui. Attendez, restez sagement ici, vous inquiétez pas. Viens, viens, Miss Rachi, j'ai peut-être une Vas-y, idée, vas-y, viens. bref, vas-y, vas-y, je te suis. Allez, bye. Hein. Mais là. Ouais, ou en haut, viens. Bah, Vas-y, en haut, c'est bien en vas-y. haut. Vas-y. Mais trop bien, les parents, regarde la chambre qu'ils ont. Oh là là! Oh là là! Oh, J'ai envie incroyable. d'allumer la cheminée. Oh là là! Ouais, attends. Évite quand même, hein, si Là où on doit il sortir, brûle! vaut mieux. Non, On quoique, est t'as raison. d'accord? On allumera la cheminée avant de partir. Alors, j'ai une idée. Alors, pour qu'elles puissent venir avec nous au parc. Parce que là, bon, franchement, on est d'accord, elles sont trop sur leurs écrans là. Moi, ça m'ennuie. J'ai envie de rencontrer un garçon au parc, tu vois. J'ai envie de. Tu vois, peut-être qu'on rencontrerait du monde si on sortait un peu d'ici. Mais elles veulent pas sortir. Du coup, on va leur faire un prank. Yes! Voilà. T'as tout compris. On va leur faire un prank. On va leur faire croire qu'il y a un monsieur. Distribue des bonbons gratuitement au parc. On est d'accord, les enfants comme ça, ils kiffent les bonbons. Bah oui, hein. Moi personnellement, à leur plus jeune âge, j'adorais les malabars. Ouais, c'est vrai, les malabars. Et il y avait des tatouages en plus dans les malabars et tout, et on s'est collé partout. Ouais. Et genre en mode, tu sais, quand on mangeait les malabars et quand on l'avait fini, on collait dans les cheveux de la maîtresse. Ouais. Oh là là, où on les posait sur la chaise comme ça, quand elle s'asseyait dessus, après ça collait. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'était de la folie. Mais tu vois, moi, si à leur place, tu vois, si on me dit, ouais, il y a des bonbons et tout, moi j'y vais direct. Ce qu'on va leur dire, on va leur faire croire. Je vais faire une vidéo, en même temps, ça me fera des vues et ça fera de la YouTube monnaie. Je Bah vais... Ah ouais, trop bien. En plus, t'as vu, maintenant, vu que j'ai plus de maison, bah... faut que je fasse de l'argent, hein. Et en plus, Bah, comme j'ai ça, toujours... Ouais.
on cotise pour s'acheter une meilleure villa, parce que franchement, la mienne, elle est pas ouf ouf non plus, hein. Bah ouais, et en plus, rappelle-toi que je dois toujours acheter un cheval à ma petite sœur Ayeta qu'à mourir. Ah oui, c'est ouais. Vrai. Je lui dois la toujours un cheval. Dans mon dernier prank, le cheval, il est mort, donc... va falloir que voilà, je fasse beaucoup de pranks pour faire de l'argent, hein. Bon, du coup, on va faire la petite intro YouTube pour la vidéo, et puis on va filmer en caméra cachée. Ok, allez, comme d'habitude, hop, je prépare la petite vidéo. Attends, je me prépare. Vas-y, parce que moi, regarde, je me suis pas brossé assez les cheveux, là. T'inquiète. Hop. Y a pas un miroir ici? Non, mais c'est quoi ce trou paumé, là? Y a pas une salle de bain dans le coin? Ah bah dis donc, les riches là. Ah bah voilà, il y a une salle de bain quand même. Je me disais aussi. Ok, on fait l'intro où? Sur le trône ou là-bas? On va quand même le faire... Oh tiens, on le fait dans la douche. Ce serait drôle de faire un truc dans la douche. Vas-y. Par contre, faut pas appuyer sur le trône. Ouais, on va éviter, hein, ce serait un peu bête. Hop, attends, je me mets comme ça, on te voit bien sur la vidéo. Attends. Mets-toi comme bien. Ça, on me verra encore mieux. Hop, voilà. Voilà, parfait. Ok, t'es prête? Yes! Ok. Et salut les amis, c'est Chessy Prank YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Coucou! Et aujourd'hui, on va faire avec Miss Rachi, comme d'habitude, un petit prank. On va pranker les enfants. Voilà, on a deux petites, on fait du babysitting aujourd'hui, on a deux petites à s'occuper d'elles. Sauf qu'en fait, elles veulent pas détacher les yeux de leur écran. Et nous, on a envie d'aller au parc pour un petit peu rencontrer des gens. Ouais, non, parce que franchement, ces meufs-là, elles parlent, elles jouent à Game of Thrones, c'est moins de 18 ans, hein. Moi, j'ai 15 ans, je joue pas à ce genre de jeu. Ouais, mais moi j'ai 15 ans et j'ai jamais joué à Call of Duty. C'est côté conscient moins de 18 ans, c'est un truc de fou comment les enfants maintenant ils jouent à des jeux vraiment hyper violents, hein. Ils tirent partout, piou, ils sont choqués. Ouais, je suis choquée. Et puis j'ai même vu sur le truc de Game of Thrones, il y avait des scènes Peggy 18, hein. J'ai waouh. Ah oui, moi aussi. Enfin, j'ai pas vu, mais genre en fait ça m'étonne même pas, hein. Moi je joue à Barbie à leur âge. Ah, mais clairement, hein. Bon. Bah, en tout cas, je vais vous mettre dans ma poche, on va filmer la scène et on va leur dire qu'en gros, il y a un monsieur qui distribue des bonbons au parc et du coup, obligé, elles vont vouloir venir au parc avec nous et comme ça, nous au parc, on pourra peut-être pécho, hein. Parce que moi là, voilà, je suis toujours célibataire là, ma vie sentimentale, c'est le désert de Gobi. Voilà, allez, je vous mets dans ma poche, on va leur annoncer ça, hop. Vas-y, viens, sexy. On y va. Alors... Eh, mes chéris! Quoi? Ouais. On va aller au parc, ça vous dit? Oh non! Non mais vous êtes nuls, quoi. C'est nul comme activité. Il y a un monsieur, il donne des bonbons gratuits au parc. Ah bon? Oui! Ah non mais trop cool, hein. Moi je viens en fait, j'ai changé d'avis. Il y a un monsieur, il distribue des bonbons et tout, des malabars, des carambars, des Haribo, des sucettes, des Skittles. Quoi, trop bien, je viens. Ah, il y a pas de réglisse, il y a pas de réglisse. Ah, il y a pas de réglisse. Je sais pas, il y a du réglisse, Miss Rachi? J'en ai déjà eu en étant plus jeune et non, il y a pas de réglisse. Ok. Bon, on va emprunter la voiture de vos parents, parce que j'ai un peu la flemme de marcher, hein. On est d'accord. Ah bon, vous avez l'autorisation au moins, j'espère. Non mais en fait, t'as pas compris qu'on s'en fout, hein. Voilà. Bien sûr, hein, Miss Rachi, qu'on a l'autorisation. Ok, si vous avez l'autorisation, Bien sûr. Chelsea, faut aller allumer la cheminée. Ah oui, ok. Oui, comme ça, quand on vient, il fera chaud. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Allez, vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Bah pourquoi ce serait dangereux? Non. Bah imaginez, il y a un feu ou je sais pas moi. Mais pourquoi il y aura mais un feu? Mais il y aura pas de feu. Mais c'est après tout, la vérité c'est sort de la bouche des enfants. Pourquoi mais ce arrête, serait pas dangereux? En plus, on avait mis le chien dedans. Mais ah oui, c'est vrai, le pauvre Lolo. Non, elle est partie sur le toit, hein. Non mais tu te rappelles de la faute, t'avais mis le poisson rouge dans le feu, quoi. Non mais lol. Non, mais après c'est normal qu'il y a le feu parce qu'une cheminée c'est un feu donc c'est. Mais c'est oui normal. Mais pas dans toute la maison. Après c'est vous qui allez devoir trop payer, je vous signale. Mais attendez, mais vous avez une cheminée pour allumer vos parents du coup? Hop.
Allez, on sort. Oh là là. Voilà, vous avez une petite balançoire, allez vous balancer, vous inquiétez pas, il y a un monsieur, il va passer. Ouais, vous le reconnaîtrez de toute manière. Hop. Ok. Voilà, ah, ça fait plaisir. Oh, je fais des 370. Il y a encore, il y a pas de garçon encore, mais bon, je pense qu'ils vont venir. La dernière fois, il y avait un garçon, il était trop bégé. Il est venu avec sa petite soeur pour l'emmener au parc. Ouais. Non, moi, faut que je te raconte une anecdote. L'autre fois, genre, il y avait David. Hey, les enfants, venez dans mon camion, il y a des bonbons gratuits. Bah, monsieur, vous avez bouffé trop de craie ou quoi? Vous avez la voix bien grave. Ah bah je sais, mais c'est, oh, mais ma c'est voix, parce que... Vous avez fait comme mon grand méchant. Bon, venez-vous, venez-vous mon camion, vous savez qu'il y a plein de bonbons. Alors, il y a des trajibus, il y a tous les Haribo du monde. Donc, moi, je vous attends, vous venez? Ouais, c'est où? Plus, alors, vous devez aller derrière dans mon camion, dans le coffre de mon camion. Allez, rentrez. Allez, viens, Sista, on rentre, c'est trop bien. Mais pourquoi il n'y a rien? Asseyez-vous. Allez, on s'en va. Au revoir. Et monsieur, vous faites quoi là? Vous nous emmenez dans le pays des Haribo, j'espère. Mais oui, vous savez où je vous emmène. Il fait du bruit hein, ce camion là. Ouais, je disais quoi, il y avait un garçon avec sa petite sœur, il était venu et tout. Il était trop bégé, un truc de fou. Ah ouais. Oh là. Attends, là. Mais moi du coup, je te raconte. Tu vois David Latronque, tu te souviens de lui là? Oui. Eh, il est devenu trop moche. Ah ouais, non mais lui, depuis il m'a trompé et tout ça. Moi je dis, le karma il est tombé sur lui, il a eu de l'acné, il a eu des cratères sur son visage là, c'est bon hein. Ah ouais, c'est dégueulasse hein. En plus, attends, elles sont où les filles? Les filles, les princesses, où vous êtes? Je vois cache-cache, les filles. Attends, attends, mais ça trouve, elles sont rentrées à la maison à pied, qui sait? Ouais. Tu penses? Attends, je vais vérifier sur... parce que j'ai tout filmé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Attends. Oh, regarde sur la vidéo. Il y a un camion, il est passé. Elles sont rentrées dedans. Il y avait marqué bonbon. Quoi? Bonbon gratuit, tu vois? Oh merde. Oh putain. Tu veux pas qu'on aille conseil le camion là? Alors. Je sais pas quoi faire là. Honnêtement, il y a un petit souci, c'est que. Qu'est-ce qu'on va faire? Au pire, ce que je propose, c'est d'abord on rentre à la maison au cas où il les a déposés à la maison, c'est jamais, hein. Il est peut-être bienveillant. oui, je pense. Ouais, on va voir si elles sont à la maison, ok? Pas de panique, si jamais... ça va aller. Sinon, au pire, on fera un échange en mode je lui dirais, oui, je serai ta princesse pendant 24 heures et par contre, je serai ses enfants. Ouais, mais on sait même pas c'est qui. Bon, on va aller. On va à la maison. On va aller voir si elles sont là-haut. Ok. Là-haut. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Il y a d'autres enfants? Ah bah, il y a plus du tout d'enfants. Allez, au revoir. Merci, derrière. Oui. Hop, on s'en va. J'ai le camion. Ah. Bye. Vas-y, essaie de le suivre. Vas-y. T'es conduire au moins? Ah merde, j'ai calé. Ah bah, tu veux pas que je conduise à la place? Oh non, t'inquiète, attends, je redémarre. Allez, vas-y. Ah. T'inquiète, j'accélère. En plus, ils allaient vers la maison, hein, peut-être qu'ils sont rentrés. Ouais, ah. Je pense. Y'a pas un petit problème là en fait? Attends, mais ça sent le brûlé. Et c'est peut-être les torches qui sont rentrées? Monsieur, madame, torche qui feu? Attends, rentre. Oh, c'est brûlé! Vite, sors! Reste pas à l'intérieur! Ça crame! Oh non, la maison, elle est en train de brûler! Oh, oh merde! Non. Attends, faut que je fume ça, ça fera des vues! Oh, mais... Regardez, notre maison! La maison, elle est en train de cramer, les amis, regardez! C'est vraiment vrai, regardez, c'est des vraies flammes, hein. C'est pas du montage YouTube, hein, c'est pas sur Photoshop, hein, c'est la vérité, ça crame. Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qu'on va dire à madame et monsieur Torche qui feu? Il y a leur maison qui brûle, on a perdu leurs enfants. Au pire, on dira genre en mode, les enfants, ils ont joué avec la cheminée, nous, on était partis faire des courses, et genre en mode, ils ont brûlé avec.
Ah mais c'est une super idée, comme ça on n'ira pas en prison. Ok, on va faire ça. Quand madame et monsieur Torche qui feu qui rentrent, on leur dit, comme tu as dit, on a laissé les enfants, ils sont amusés avec la chemise, ont mis le feu, et on leur dira pour les consoler qu'on a sauvé leur voiture. Oui, voilà, pour les consoler, voilà. On dira ça. Comme ça, on est sûr qu'on n'ira pas en tôle. Et bah parfait, bah je trouve que c'est une bonne idée. Ok, bah on fait ça, super. Allez, au pire on emprunte leur voiture. On fait un petit tour au McDo en attendant qu'ils arrivent. Ouais, allez. On va au McDo. Vas-y, c'est parti au McDo. De toute façon on s'en fout un peu de leur enfant. Ah ils étaient ingrats en plus hein. C'est bon hein. Ah ouais, ils jouaient à Game of Thrones, c'est pas, ils avaient genre 8 ans. Et pour franchement, pour nous payer en plus 20€ la soirée, c'est pas fou hein. J'avoue, moi je pensais qu'ils allaient nous payer genre 150 balles. Ah ouais, allez, on y va.